Voilà, et bien, un petit mot pour la fin pour cette journée. Donc, conclusion de ces PJ Session 13 du jeudi 19 novembre. Donc, je suis de nouveau avec Virginie, qui est quelque part par là ou par là. Je sais pas, j'espère qu'on voit. Donc, tout d'abord, merci à nos orateurs de Dalibo, bien sûr, mais aussi, surtout aux autres, à Cédric de l'IGN, à Régis d'Auslandia. Qui se sont adaptés à cet exercice de la conférence à distance qui était pas simple, vraiment. Merci à Caroline, Patrick et Stéphane d'Air France KLM qui nous ont fait bénéficier de leur retour en tant qu'invités VIP de cette année. Merci à tous les participants en ligne, à ceux aussi qui ont posé des questions via le hashtag PG Session 13. Et merci aussi à Ostendia pour être toujours là à côté de nous, à nos côtés. Donc voilà, merci à tous nos orateurs qui sont là en photo et oratrices. Évidemment, à titre personnel, j'espère vous rencontrer tous très bientôt, hein. Ça fait un bail maintenant qu'on ne s'est pas vu dans la vraie vie. Voilà, on est bien dans nos bureaux respectifs et on est encore mieux ensemble. Voilà. Merci aussi à Virginie, je te Ça, laisse la parole. ouais. Oui, et c'est vrai, un grand merci à toutes celles et ceux sans qui ça n'aurait pas été possible. Bien sûr, il y a Xavier de Streamtease qui est notre partenaire pour la diffusion de cette PG Session en ligne. Je ne sais pas si on te voit, Xavier, je n'ai pas la visio. Ah, bon, bah, tant pis. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Merci Xavier. aussi à nos modérateurs d'Alibo qui ont rythmé un petit peu toute la journée et qui nous ont permis d'avoir les questions et les réponses avec les orateurs. Donc les modérateurs, c'était Alice, Benoît, Christophe, Étienne, Florent et Nicolas. Merci à eux. Merci aussi à Pierre qui, en backstage, s'est occupé du site PG Session. Ça aussi, c'est très important. Merci à lui. Et enfin, bien sûr, the last but not the least, Laura, notre chef d'orchestre de tout ça, qui depuis 2 ans organise nos PG sessions. L'année dernière, elle l'a fait en présentiel sur Paris. Et cette année, elle a dû s'adapter et le faire tout à distance, trouver les bons partenaires, trouver la bonne organisation en interne, s'entourer des meilleures compétences pour le faire. Toujours avec le sourire. Donc, c'est Laura, c'est celle que vous avez vue à 14h qui a introduit les conférences de l'après-midi. Donc, merci beaucoup à elle. Bravo, Laura, pour tout Bravo ça. Laura. Merci. Merci Xavier. Et je passe la parole à Jean-Paul. Donc bientôt tout ça sera en ligne, hein. Donc sur notre chaîne YouTube, sur le site de PG Session lui-même. N'hésitez pas à continuer à parler de ça, de vos retours, de vos questions, toujours avec ce hashtag PG Session 13. Virginie. Oui, alors la PG session est terminée. Vous avez pu, j'espère, apprendre plein de choses avec nos orateurs sur tous ces sujets que vous voyez sur les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser, effectivement, soit sur Twitter, soit par d'autres biais. On a manqué un petit peu ce qui était informel en présentiel, c'est-à-dire les cafés, le repas, etc. Ça manque un peu, mais bon, on a essayé d'animer cette journée quand même. On espère que ça vous aura plu. Et je laisse la parole de la fin à Jean-Paul. Pas grand-chose à dire, hein. Rendez-vous en 2021 dans une édition qu'on espère plus classique. Alors, une édition classique pour nous maintenant, désormais, c'est une édition en présentiel, bien sûr, mais sans oublier une diffusion en live comme on l'a fait l'année dernière. Et je pense que ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Voilà. Encore une fois, merci à toutes et à tous, nos orateurs, nos organisateurs, les modérateurs, Xavier et Laura. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.